ممثل منظمة الصحة العالمية في الجزائر أكد أن الدولة الجزائرية حققت نجاحاً في مجال مكافحة الملاريا، مؤكداً على تقدم الأبحاث لتطوير اللقاح المضاد للملاريا. Comme vous le savez, l'Algérie a été certifiée paludisme free depuis le mois de mai 2019. Donc depuis cette date, des mécanismes de surveillance sont en place pour surveiller justement l'évolution de cette maladie et empêcher une réintroduction. Les efforts ont été louables puisqu'ils ont porté leurs fruits. En ce que le paludisme a été éliminé, le paludisme autochtone a été éliminé en Algérie, ça veut dire que les efforts ont été consentis de façon considérable. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont éliminé le paludisme. Il y a des essais, il y a des candidats vaccins qui sont en phase 3 de... ça veut dire que si les choses évoluent bien dans les années à venir, on pourra avoir un vaccin. Mais les recherches avancent. Les recherches avancent, sont en cours et avancent avec des résultats très prometteurs.